Hey, bonsoir à tous, bienvenue sur la stream. Je suis à la bourre. Je regarde les quarts de finale et finalement, bah ça traînait, c'est toujours pas fini, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, du coup, Broforce. Alors, c'est pas vraiment une découverte, ce jeu est sorti d'Early Access, il sort aujourd'hui. J'ai joué un peu dans durant l'Early Access hors stream. En gros, c'est du jeu ultra arcade où on va jouer tous les persos sortis des films d'action américains. Donc, il y aura Rambo, Terminator, il y aura Chuck Norris, voilà, il y aura toutes les sortes d'icônes comme ça. Donc, on va faire la campagne. En normal, offline, voilà, très bien. Alors, le jeu a énormément évolué, hein, ça fait longtemps qu'il est en. C'est au moins plus d'un an, je suis sûr que je l'ai. Donc il y a eu le temps de bien 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 évoluer durant l'Early Access. Hop. Alors la section de niveau elle est vachement classe maintenant. Ça a bien changé, avant il n'y en avait pas, après il y a eu un truc à dire, un hélicoptère à bouger, et là maintenant on a carrément un globe. Hop, c'est parti. Donc sachant que le jeu en solo ça se joue évidemment, mais c'est beaucoup plus rigolo en multi, hein. En multi local ou en ligne, c'est vraiment la folie quoi. Voilà, donc en gros il y a une touche pour tirer, une touche pour sauter, une touche pour montrer ses muscles, sa classe, une touche pour envoyer les armes spéciales. Donc là en l'occurrence l'arme spéciale de Rambo c'est la grenade et une touche de corps à corps là. Donc vous voyez quand je peux m'agripper, voilà, je peux m'agripper n'importe où, et en fait le truc c'est qu'on peut voilà, on peut complètement creuser dans les décors, y a pas, voilà. Le but à chaque fois c'est d'arriver jusqu'au drapeau de sortie. Et là en fait vous allez voir, à chaque fois que je vais à chaque fois que je vais libérer quelqu'un, ça va switcher de bro en fait. Voilà. Et chaque bro a évidemment des voilà. A évidemment des Oh. A évidemment des compétences différentes. Voilà, donc là je viens de déverrouiller, alors je sais plus comment elle s'appelle, donc Kill Bill. Et donc le but à chaque fois, hop, c'est de s'abattre le petit Satan et de se barrer en hélicoptère. Yo, tiens, comment vas-tu? Donc sachant que le jeu après c'est vraiment un test speedrun, hein, vous pouvez jouer comme un fou quoi. Donc là il me dit que la prochaine, dès que je vais sauver 26 personnes de plus, je vais débloquer des nouveaux bros. Parce qu'en fait ça, le principe du jeu c'est que plus on va avancer et plus on aura de bros différents qui peuvent apparaître en fait. Donc hop. Et accessoirement les bros à déverrouiller, ça permet également d'avoir des vies supplémentaires. Vous voyez là j'ai deux vies en rab quoi. En fait, il fallait que je teste leur truc parce que je connais même pas leurs pouvoirs spéciaux. Oh merde. Ah, donc là il y a Chuck qui lui balance une grosse, une sorte de gros missile grenade. Hop là. Et du coup, bien alors, ta nouvelle config. La branchée déjà ou t'en es où? Enfin attention, on peut mourir à cause du décor, on peut complètement se faire écraser par des blocs qui tombent. Hein, donc, et c'est pour ça que c'est rigolo à jouer en multi parce que bah, évidemment quand vous avez vos potes qui pètent absolument tout à l'écran, c'est un peu compliqué. Voilà, après il y a plein évidemment voilà. Voilà, ça explose de partout en fait, après vous pouvez avoir plein de réactions en chaîne, par exemple bah là c'est pareil, là ça va sortir, ça va exploser de partout. D'accord. Lui il a quoi? Il a un espèce de gros Hop là. Sachant qu'après il y a des combats de boss, hein, évidemment, chaque zone se termine par un combat de boss. Et encore 10 et 19.
Yuppie Hoonam. Ah mais ce jeu, c'est la boucherie totale quoi. Et après, suivant les bros que vous avez équipés, c'est plus ou moins la bourrine quoi. Mais... Enfin, il n'y en a aucun. Oh merde. Donc là, je me prends une balle, donc hop, ça me remet automatiquement le dernier. Mais non! C'est vrai que c'est pour ça que c'est relativement simple en solo, parce que du coup on peut avoir beaucoup de vie en fait si on sauve des gens. Oui, ils sont classe. Alors, sachant qu'on n'est pas obligé de tuer tout le monde, hein, je peux très bien monter comme ça va être le mec, hop, elle me barre. Ouais, il y a Machete, il y a énormément de références, hein, j'ai pas la liste complète, mais il y en a vraiment vraiment beaucoup quoi. Et moi ça va bien. J'ai testé Squirrel Girl là, sur Valley Rose. Elle est monstrueuse en fait. Elle est super forte. Je m'attendais à un perso vraiment chiant qui queen. Et en fait c'est un perso qui est vraiment violent quoi. Et donc ouais, je disais vraiment Brofurs, bon en solo c'est sympa. Hein. Bien qu'à mon avis en solo le plus intéressant c'est d'essayer de faire du speedrun, donc vraiment essayer de boucler les niveaux le plus vite possible. Mais en multi c'est la boucherie totale quoi. Et le truc c'est, voilà, hop, ce que j'allais dire, c'est plus on va avancer dans le jeu, plus il y aura de. Plus sera difficile, parce que plus il y aura d'ennemis compliqués, genre des chiens, des mecs qui se suicident, etc. Ah lui j'aime pas trop, ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais. On va essayer de passer à travers le. Voilà. Donc ça qui est rigolo dans le jeu, c'est que vous pouvez complètement péter tout le décor pour arriver à vos fins, vous n'êtes pas du tout obligé, il n'y a pas vraiment de route. Hein. Merde. Ouf. Oh, que dans le barbare. C'est une attaque spéciale, j'avais jamais vu. Il peut pas péter le. Voilà. Donc, ce que je veux dire, vraiment, le seul but c'est d'arriver à la sortie. Hein. Peu importe si vous butez tout le monde ou pas, c'est pas. Pardon, c'est pas important. Ah, elle est cool. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est celle qui a la. Oh merde, j'ai marché sur les mines. Donc là, oui, la petite tête de mort qu'il y avait là-haut, c'était les mines, hein, évidemment. C'est cool, il y a plein de nouveaux pros, il y en a pas mal que je connaissais pas du tout là. Ah merde. Le jeu en plus est super bien animé quoi, c'est Hop là. Honnêtement pour une soirée multi, il est vraiment cool quoi. Merde! Oh, je suis tombé. Ah, Machete. Machete! Oh! Ah, c'est game over là. Mission fail, ouais. Ouais, c'est pas vrai, mission fail et hop, c'est reparti directement. Ouais, le jeu, voilà, hein, c'est ultra arcade, y a jamais de temps mort en fait quand Merde! J'ai pris une balle perdue. Ah, si je commence à mourir maintenant. Ça va être compliqué. Ah, j'avais pas vu ça à gauche là. Et après sauver
Hop là, y a le truc qui va partir vers eux, voilà, plaf. Oh non! Oh bah c'est pas sauvé. Alors avec lui, ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez. Bien. Vous pouvez vous servir de son truc pour plus ou moins voler en fait. Ah, premier boss du jeu. Je vais reprendre des vies. Hop là, je reprends une vie quand même. Ah merde. Ah oui, c'est vrai que là, je. Ah oui, c'est moi qui le contrôle son machin. Lui, son arme spéciale, ça, c'est un missile que je peux contrôler comme je veux. Ok, premier monde fini. Enfin, premier monde. Premier boss détruit quoi. Ouais, le recul il est excellent. Franchement, quand tu te débrouilles bien, tu peux voler comme ça. Pareil, celle qui tire vers le bas avec sa jambe, tu peux également voler. Elle est vraiment belle la carte maintenant. C'est excellent quoi. C'était pas comme ça avant. Avant, c'était tout pourri. Hop là, donc là, difficulté orange. Après, c'est vrai que c'est con, hein, c'est typiquement le genre de jeu. J'aurais bien aimé streamer en multi, mais avec ma connect, le problème c'est que. Il y a trop de. Enfin, mon ping il est pas assez bon. Merde, j'ai explosé. Flûte. Oulala, oulala. Donc là, les ennemis sont morts s'ils sont ratés dans les mines. Tout ça, c'est un truc, hein. Évidemment, vous pouvez mourir dans les mines, mais les ennemis aussi, hein. Ils peuvent également les déclencher. Quand je sauve une personne pour débloquer un nouveau bro. Ouais, non, en bas, on va le débloquer. On va le sauver celui qui est en bas. Bien. Alors, je sais pas qui c'est eux. C'est qui? Ah, mais si, c'est James Bond en fait. Alors je sais pas ce que ça fait, son pouvoir spécial là il boit. J'ai pas trop compris le pouvoir spécial, il a. Moi je le connais pas non plus lui. Un perso qui a un boomerang? Ah mais si, ça va être Mad Max en fait, je suis con. Oh non! Et l'autre c'était James Bond, hein, j'imagine. Conan. Après tous les bros sont pas aussi forts. Enfin après il y en a pas mal que je dois pas savoir jouer non plus, mais j'ai vu qu'il y a quand même des grosses disparités. Non mais dans les différents bros disponibles. Oh non, je remonte pile au moment où il tire, quoi, dégoûté. Ah donc bien souvent c'est plus facile de se faufiler plutôt que buter tout le monde, hein, clairement. Allez, 24 mecs à sauver. Un bon effort, bonne rigolade. Ouais, clairement, franchement le jeu il est. Ah voilà, merde, sec. Oh là là. Attends, je vais essayer de vous montrer ça. Ah merde, mais du coup j'aurais bien de. Ah mais non, merde, forcément ça me changeait, bah tant pis. Et hop là! Et après, ouais, plus vous avancez, bah, plus les ennemis sont,
sont compliquées et plus il y a des trucs qui explosent de partout, plus c'est la misère. Oula! Oh non! Quel con! Je suis tombé. Voilà, faut pas hésiter à passer sous les trucs, hein, voilà. Hop. Merde, voilà. Alors les kamikazes comme ça, dès que vous les avez poules, on va dire, si vous touchent, ils explosent évidemment. C'est quoi cette casse? D'accord, ah oui, donc les casses comme ça retire tous les points, toutes les armes spéciales. Ah, nouveau boss. Ça envoie des mecs, t'as jamais vu le truc là. Ah mais ça envoie des kamikazes, d'accord. Oh non! Oh, ok. Bon bah j'ai défoncé au corps à corps, ok très bien. Ok, alors après maintenant, hop, niveau 5. Je sais enfin niveau 4 pardon, je sais absolument pas combien il y a de. Combien y a de niveaux en fait. J'en sais vraiment rien du tout. Ah, nouvelle zone. Là j'ai Mister T avec le lance-flamme. Ah, ah non, je suis pas sûr. Alors le boss de cette zone il est un peu relou. Je peux déjà vous le spoiler, il est vraiment pas facile. Ah non! Pardon. Bravo. Hop, allez, on va se. Hop là. Allez. Hop. Alors, y a des ascenseurs aussi. Je sais plus comment. Ah bah non mais je suis con, je suis pas dessus là. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais une arme de corps à corps aussi. Et bah d'ailleurs en fait c'est par là où faut que j'aille. Oh non! Quel con. Merde. Oh là là, oh là là. Non, mec. Ah, c'est mauvais ce que je viens de faire. Hop, hop, hop. Rock Tear. Alors Rock Tear, lui, il a un. Son pouvoir spécial, c'est ça, c'est pouvoir dasher vers un plongé en fait. Ah mais le speedrun sur ce jeu je pense qu'il va être vraiment marrant. Mais non! Oh. Mais non! Mais à la SGDQ, là c'était quoi, c'était en été là, il y a déjà eu du speedrun sur ce jeu. Et ça faisait des runs vraiment incroyables quoi. Il y a déjà des mecs qui étaient super forts quoi. Enfin le mec qui a runné en tout cas il était vraiment bon. Et du coup je sais pas ce qu'il fait lui son pouvoir spécial. Merde. Ah, on n'avait pas encore eu Robocop. Zut, je suis mort. Je crois que c'est Robocop son. Ah non, c'est le Terminator. Son pouvoir spécial, il devient invincible. Il transforme en T-1000 et devient complètement imbutable. Mais honnêtement, je pense pas que c'est le genre de jeu que je pourrais speedrun quoi, ça me rendrait fou. Et, il y a tellement d'aléatoires quoi. Enfin, c'est de l'aléatoire à moitié maîtrisé quoi, un peu comme.
C'est un peu comme Hotline Miami quoi, c'est vraiment aléatoire, sauf qu'au bout d'un moment t'es tellement bon que tu peux tu sais un peu ce qui va se passer quoi. Mais après ça mêle, on va dire ça mêle aléatoire et réflexe quoi. Enfin un réflexe connaissance du jeu. Oula. Ok. Ce qui est excellent, c'est qu'il y a vraiment plein de chemins différents, donc ça c'est cool. Hop là. Et encore 14. Et du coup, je trouve ça vraiment sympa le fait qu'il y ait plein de chemins alternatifs, quoi. Oula! Oh là là, oh, ça calme! Oh là! C'est la merde! Voilà. Ah merde, il m'est retombé dessus, dégoûté. Attends, comment on fait, je suis. Ah voilà. Ah. Oh, ça marche pas très vite par contre. Hein. Je sais pas si je peux le sauver ou si je vais l'écraser ou s'il va rien se passer. Ah merde! Non, mais non, non! Je vais mourir. Ah non! Je sais pas du tout ce qu'il y a comme type de véhicule. Ah voilà, bah tiens, c'est avec elle qu'on peut faire. On peut faire un truc complètement débile, rien. Et donc c'est pour ça que je disais, en speedrun le jeu il doit être juste infâme, parce que suivant le bro que vous avez au départ, ça change vraiment tout quoi. Quand vous avez elle ou Blade qui peut faire des dash, etc. Ça change de tout au tout quoi. Donc là c'est le mode campagne, mais il y a plein d'autres modes de jeu. Merde. Ah ben je suis complètement décédé. Méchant de fail! Dites-moi si pour le son c'est bon ou pas quoi. Oh merde, ah ben là il y a des airstrikes. Oh la vache. Aïe. Ouais putain, je croyais que j'étais en dehors de la portée, mais pas du tout. C'est pas Cindy Fox, ouais c'est dans ce genre là, ouais. Là, je vais virer ça parce qu'il y a des mines donc.
Ah merde, je me suis intercepté par un airstrike. Putain. Bon, j'ai pas forcément la bonne stratégie, parce que là, bien souvent, quand il y a les airstrikes, il vaut mieux passer en bas, évidemment. Yo, Yang, comment ça va? Merde, oula. C'est bon, c'est esquivé. Ah, mais je savais même pas que lui il est très à tête chercheuse en fait. Merde. Oh putain, quel con. Oula, pardon. Et encore 3, je débloque un truc. Donc au début c'est marrant parce qu'on débloque pas mal de bros, on débloque. Je suis où? Ah mais je suis mort, j'ai même pas vu. Très bien. Très bien, très bien. Y'a pas lit. Machete! Ah je me suis fait écraser par les trucs, ok d'accord, j'ai dû mourir comme ça en fait, alors j'ai pas fait gaffe. Évidemment, le jeu, on comprend rien des fois, hein. Ça explose de partout. Ouais, ah non, mais pourquoi j'ai sauté là-dedans, moi? Ok, n'importe quoi. C'est reparti. Donc, autant vous dire qu'en multi, c'est l'orgie la plus totale. Hein. C'est quand vous voyez déjà tout le bordel que je peux faire tout seul en tapant les trucs. Vous imaginez 4 personnes qui font pareil en même temps? Oh, je viens de me faire crocheter par un chien. Ah mais non, mais je saute, tu mets une bastos en même temps. La mission là, je crois que j'avais un peu galéré avec, quand je l'avais faite à l'époque. Ouais, ce que je disais, ça fait. Moi, je pense que ça fait vraiment plus d'un an que je devais l'avoir dans ma bibliothèque et que j'attendais. Bah, j'y joue un petit peu de temps en temps, mais. Oh, Predator! Oh, la classe Predator, quoi! Trop cool! Ah, il balance des harpons. Ah, son pouvoir ultime, il est monstrueux, quoi! Comme c'est classe! Ah, puis les mecs qui restent en palais, quoi! Merde! Oh, je vais me faire écraser par une bombe. Merde, oh là là! Il va être complètement. Non, si, je peux quand même le sauver. Ouais, du coup, il est resté plus d'un an facilement. Et donc là, il est sorti 7 avril, ouais, voilà. Ouais, donc un an et demi. Et donc là, il est sorti ce soir. Et ça fait bien plaisir. Parce que bah, j'attendais clairement la sortie pour y jouer. Bon, j'ai essayé d'un peu moins speeder là parce que. Merde. Oh non, mais forcément, forcément. Mais en tout cas, mais en Early Access, il a quand même, il a vachement évolué. Hein. En permanence, il y a eu des nouveautés qui ont été ajoutées, des nouveaux bros, des nouveaux modes, etc. Donc, merde, pourquoi j'ai fait ça? Vite, qu'attendons-nous? Oh là là, ouf.
Ouais, dites-moi hein, si le son c'est bon hein, parce que. Oh, alors lui, comment on le tue? Je sais plus s'il faut le bourrer. C'est... Non, si c'est lui, il faut le bourrer. S'il y a un des boss qu'il faut faire tomber dans le vide en fait. Hop, on va être vite aller récupérer des. Oh là. Ah merde, mais c'est. Ah mais. Oh, ok. Oh là là. Ouais, j'aurais pas dû péter les trois d'un coup. À mon avis, si j'avais mieux géré mon truc, j'aurais pu le stun à l'infini. Là, je vais me prendre un balayage, voilà. Et voilà, j'en étais sûr. Ah, mais attends, mais lui, je peux diriger ses requêtes. Bim! Vincent Bolloré à Ubisoft, on en discute. Non, 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 non. Ok, alors. Tac, sixième niveau. Street level Ruby. Ok. J'ai pas eu le même article premium sur Gamekult. Ouais, non, c'est au rachat de l'incroyable. Bon, après, moi ça me change rien. De toute façon, les jeux Ubisoft, bien souvent, j'aime pas donc. Là, donc là, on peut engager des mercenaires en fait. Si je fais une attaque de corps à corps sur eux, hop. Merde, je me suis complètement fait tuer. Et par contre, là, je viens de me rendre compte qu'il y a des attaques spéciales. Que lui, attaque de corps à corps si j'appuie. Ah, mais d'accord, mais je sais même pas. On peut faire des dashs. Enfin, en fait, il y a eu une attaque au corps à corps, voilà. Enfin, vraiment corps à corps. Et une en avançant. Ok, je ne savais même pas. Oh non! Le décès. Je pensais pas que lui l'ait tiré. Non, c'est pas un troll, hein, c'est un. Bah, en fait, le truc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que. De toute façon, on va y venir de plus en plus au contenu payant parce que. C'est en gros, c'est. En gros, soit le contenu va être payant, soit ça va être que de la pub de partout, quoi. Enfin, de la pub. Pas de la pub, c'est même pire que ça. La pub en soi, c'est pas si grave que ça. Mais ça va être que des. Merde! Ah, je me suis fait crocheter par le chien, c'est pas grave. Que du contenu, du. Merde, comment ils appellent ça, le contenu moisi là. Transmédia, machin, enfin, que des trucs tout pourris, quoi. En gros, ça va être que des articles écrits par les marques pour promouvoir les marques, que des daubes comme ça, quoi. Tu regardes maintenant jeuxvideo.com, là, depuis que c'était racheté par Webedia, c'est catastrophique, hein. Enfin, c'était déjà catastrophique avant, mais maintenant c'est pire en pire, quoi. Puis là, avec les nouvelles annonces des Webedia, ça va faire qu'empirer, quoi. Ah, lui, je l'aime pas trop parce qu'on comprend jamais rien. Hein. Lui qui lance que les explosifs, c'est. Ah, tu me diras, je suis pas obligé non plus de faire que les explosifs. Je pourrais très bien taper au corps à corps, mais. C'est tellement plus rigolo d'y aller à la dynamite. Hein. Ces journalistes à l'éditorial, eh bien, ça ne me dérange pas de payer et même hein, juste faire des choses. Si c'est pas. C'était pas ça non plus à la base, jeuxvideo.com. De quoi c'était pas ça à la base, jeuxvideo.com hein? Merde, oh là là.
Mais même en rachat c'était pas top. Oui non c'était pas top mais ça c'était de pire en pire. Mais là ça a continué à sombrer. Voilà. Et effectivement oui le premium ça permet d'avoir certaines des éditions qui seraient pas qui sont pas rentables en fait. Qui sont intéressantes mais pas rentables. Parce que en fait c'est ça le plus triste maintenant. C'est que tous les trucs rentables c'est de la merde. Hein. Faut bien se dire comme à la télé hein, finalement. Tout ce qui est rentable c'est des émissions de merde. Hein. C'est tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est talk show tout moisi, voilà. Ça c'est rentable. Et c'est nul à chier, clairement. Et en jeu vidéo c'est pareil. Est-ce qui va être rentable ça va être tous les articles tout pourris où t'as la date de sortie tel ou tel jeu, où on fait de la lâche à tel ou tel jeu hyper hypé, etc. Et tous les trucs vachement plus intéressants, bah ça vaut pas le coup parce qu'il n'y a pas assez de gens qui regardent et c'est y a personne pour financer, et voilà. Et c'est pour ça que c'est cool qu'il y ait du contenu payant. C'est le contenu payant, bah ça permet justement de financer les trucs enfin, qui pourraient pas être faits et qui sont par contre super intéressants. Mais après le problème c'est que les gens sont. C'est les Mongols, c'est tout. Hein. Si les gens arrêtaient de cliquer sur tous les trucs de merde, et bah y aura pas ce problème quoi. Mais quand tu vois que je sais pas, il y aura peut-être 50 fois plus de clics sur le top 10 de la rédaction que sur un truc en reportage sur un studio, un truc comme ça, bah voilà, faut pas pleurer quoi. Ah non, mais clairement, le clickbait, c'est ce qui est le plus rentable. Mais d'ailleurs, j'ai retweeté d'ailleurs le truc là, la dernière offre d'emploi de Webedia, ça dit directement que ton but c'est faire du retour de clic. Hein, voilà. Le but du truc c'est absolument pas journalistique ou quoi que ce soit. Pourtant, c'est rédac chef, hein, je crois. Pour être rédac chef là, le but c'est d'avoir le plus de retours sur clic possible pour générer le plus de trafic et de thunes. Donc tu te dis que bah ouais, bah, c'est la fin quoi. Mais moi le clickbait, je comprends même pas comment ça marche quoi. Enfin, ça me rend fou, hein. J'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent cliquer sur les trucs qui savent pertinemment que ça va être pourri quoi. Là, moi, un site comme Gameblog, je comprends pas pourquoi ça marche quoi. Ça me rend fou, hein. Enfin, ça me rend fou non, parce que voilà. Encore une fois, hein, c'est comme la télé-réalité ou autre, ça marche donc c'est bien que les gens soient assez cons pour regarder, hein, mais vraiment, j'arrive pas à comprendre. Hein. Ouais, après 10-16 ans, ouais, peut-être, mais oui, oui, c'est vrai Mais bon, après voilà. Oh! Ah merde, il y a une erreur d'affichage, tiens. Ah, mais Placeholder! Pourquoi Placeholder? Le jeu est sorti normalement. Ah, c'est lui qui est immortel. Ah, il est trop relou, lui. Alors, lui, en fait, le but c'est de le faire bah, de le faire tomber dans le vide. Voilà. Il y a pas moyen de le tuer autrement. Donc, il y a évidemment des persos avec qui c'est beaucoup plus facile. Hein. Par exemple, avec ce perso là, je sais pas trop comment je vais faire. Ouais, avec lui, ça va être jouable. Alors, en gros, soit on le fait tomber dans le vide en bas, soit on peut le faire sortir de l'écran par la droite, par exemple. Là par exemple, vous voyez, j'aurais beau le taper, il s'en fout en fait. Après, depuis.
si avec un peu de chance là il va sauter vers la droite. Saute vers la droite, saute vers la droite, voilà très bien. Putain. Ah si ça peut le faire là. Non bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas mon pépère, c'est bien. Voilà, super. Voilà. Mais c'est triste parce qu'en plus tout ce qui est clickbait. Les gens en font de plus en plus quoi. Alors j'ai pas me faire des copains mais par exemple, même IndieMag ou les trucs comme ça, IndieMag y a plus une seule annonce sur Twitter où il y a la date, où il y a l'info directement. Alors ça n'est pas encore au point de cliquer ici pour découvrir des trucs incroyables ou vous ne deviterez jamais ce qui va se passer, etc. Mais il y a quand même pas l'info. Pour Broforce, enfin pas pour Broforce, pour Darkest Dungeon par exemple. Darkest Dungeon il sort le 21 janvier je crois. Plutôt que marquer sortie le 21 janvier avec le link vers, avec le lien vers le vers l'article, et ben c'était marqué la date de sortie de Darkest Dungeon est enfin disponible avec le lien vers l'article. Pour t'obliger à cliquer pour aller sur le site pour voir la date. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et ça c'est triste. C'est vraiment triste. C'est Et il y a de plus en plus de trucs qui le font, ça. Et c'est super chiant, quoi. Enfin, moi, je déteste ça, hein, vraiment. C'est 40€ pour les... c'est pas cher si le contenu est de qualité. Bah ouais, voilà, parce qu'en plus, vraiment, il y a des... Alors, pour l'instant, je dis ça, j'ai même pas pris l'abonnement GameCube Premium. Je pense que je vais le prendre, parce que... Bah, ça me fait plaisir, quand même, parce que, vraiment, les trucs qu'ils ont mis en Premium, pour l'instant, il y en a pas mal qui m'ont plu. Mais voilà, mais du coup, ouais, non, vraiment le clickbait, putain, j'ai horreur de ça, hein, c'est. Ouais, moi, pour l'instant, je tire les codes aux copains qui l'ont. Il y a Tasaka qui l'a, maintenant il y a Fir qui en a aussi. Merde. Parce qu'en plus, ouais, voilà, avec l'abonnement premium, il y a moins de filer des clés, des codes à tes potes pour qu'ils consultent et voilà. Donc, elle est pas mal aussi, hein, comme je disais, pour traverser, hein, parce que. Je vais continuer à passer par le bas, je sais pas trop si c'est une bonne idée ou pas, on verra. Oui mais y'a pas de casse en fait là. Je croyais qu'il y avait un pote à sauver mais en fait pas du tout. Ah mais je suis déjà à la fin du niveau. Ok. Et encore 5 et je débloque un nouveau pro. Ah oh putain, parce que j'aime pas une Indiana Jones. J'arrive juste pas à jouer avec quoi. Un code gratuit par article. Là, voilà. Merde, mais quel con. J'ai tapé le bidon juste devant moi quoi. Donc vous voyez, il y a des fois où vraiment l'action, il faut attendre un peu que ça se calme parce que on voit plus rien à ce qui se passe. Voilà, c'est bon. Donc sachant qu'il y a quand même des zones de sauvegarde de temps en temps, à chaque fois qu'il y a un petit drapeau ricain, c'est que c'est une zone de sauvegarde. Mais non! Oh putain! Merde! C'est bon, je vais me casser. Ouais, Virgil McCoy, bah Virgil par exemple, c'est quelqu'un, je suis super content de le retrouver sur Gamecult. Il était sur jeuxvideo.fr avant, c'est quelqu'un que j'aime bien et voilà. Et je suis très content que. Bah, qu'il puisse. Bah, que non seulement il ait retrouvé du taf dans les jeux vidéo, et qu'en plus bah, il puisse avoir un peu son émission comme il faisait avant et voilà. Et ça c'est justement payé par le premium quoi. Ah voilà bah, le boss. Ah celui-là il est ultra relou. Ah, en fait le boss là il est en plusieurs parties. Il y a une première partie où je vais devoir fuir en fait tout simplement.
J'ai pas le choix, il faut que je monte le plus vite possible. Et là, avec ce perso-là, ça va être la misère. Hein. J'annonce, ça va être la misère totale. Alors, pas. Merde, oh, je vais mourir. Putain, mais ils me mettent des persos moisis quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des persos comme ça? Oh là là, oh là là. Vite, vite, vite. Donc comme je vous le disais, hein, des fois c'est vachement plus rentable de pas chercher les embrouilles, hein, de juste se barrer. Hop, voilà. Et donc là maintenant, deuxième partie. Merde. Ah voilà, là ça allait mieux. En fait, le prince. Oh non, mais tout, j'ai pris une Bastos. La partie là, en fait, donc c'est la course-poursuite. En gros, il va falloir que je tape les bidons. Bravo. Les bidons blancs qui sont en haut pour que ça tape l'hélicoptère. Tu peux avancer s'il te plaît, le truc? Merci. Oh non, mais genre je l'ai raté. Oh putain! Ben, j'ai encore jamais galéré autant. Boum! Trop tôt! Y'a plus les crimes. Eh oui, je suis lent. J'étais presque à l'heure. J'ai pas vu la fin du quart de finale, mais bon, tant pis. Alors, j'allais où là? Par là. Je sais pas du tout combien de niveaux en fait. J'en ai absolument aucune idée. Ouais, les cartes de la loi. Je joue plus du tout à LoL, mais j'aime bien regarder l'esport en fait. Enfin, les quasiment tous les jeux, quand c'est vraiment bien joué, j'aime bien, quoi, clairement. Oh, quel con. Oula. Oh la classe! Trop cool! Hein. Son pouvoir spécial c'est Freedom! Il y a un mec à sauver en bas. Non, je viens de spoil, ouais, je viens que tu me dises si, si Origen a gagné ou pas. Lui, il est un peu chiant pour creuser, il est pas. Ah, je sais pas, c'est discretos par en bas. Oh non. Ouh là là. Je vais rester là le temps que ça se calme. Aïe. Non, 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 non. Ouh là 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 là. Ah cool, ils ont gagné 3-1, impec.
Bah du coup j'étais dégoûté parce que il était parti pour avoir 3-0, du coup je me suis dit bah impeccable, je vais pouvoir lancer le live à 9h30, nickel. Et puis malheureusement ils ont perdu la troisième game. Ah oh non, quel con. Il est vraiment trop cool son pouvoir. Ah merde. Ah mais quand on le tue, il explose, trop cool. Oh là là. My god, j'ai abandonné à Satan, sérieux, c'est ridicule. Ah, je sais pas. Et salut. C'est Zendio. Satan, sur ce jeu, tu veux dire? Je t'avoue que moi le jeu là j'ai joué un peu quand il était en early, mais comme tous les jeux early j'essaye de pas trop bloquer dessus pour justement avoir envie d'y jouer à la sortie. Et donc là je suis arrivé à peu près à l'endroit où je suis pas sûr d'être beaucoup allé beaucoup plus loin durant l'early access quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis mort là? Mais non, quel mongol. Mais j'étais plein de niveaux aujourd'hui, d'accord. Ouais, vraiment, le jeu, finalement, j'y ai assez peu joué. Hein. Je lui ai joué peut-être 2-3 heures durant le Early Access, donc. Je suis vraiment pas un gros connaisseur du jeu quoi. Merde! Oh là là! Ah, c'est pas bon ça. C'est bon, ça passe? Oh bah, impeccable! Attends, salut toi, je vais te sauver juste pour récupérer des. Non mais moi en solo. Mais en fait le truc c'est que j'y jouerais bien en multi, mais c'est toujours le même problème en fait avec ma connexion. C'est que vu que ma connexion est un peu pérave, je peux pas vraiment streamer du multi quoi. Si je stream en multi, j'ai un ping qui est exécrable et c'est pas super plaisant. Par contre le jeu là j'ai joué hors stream, en fait les 2-3 heures que j'ai joué, c'était hors stream, bah, soit multi local, soit multi en ligne, et c'est vraiment vraiment excellent quoi. En solo je pense faut presque plus partir sur une optique de speedrun. Mais bon alors après. Je suis mal parti là, non? Ah non, mais c'est bon, il est en train de se shooter comme un mongol. Par contre, faut que je me casse, c'est ça. Il est où là? Voilà. Je sais même plus ce qu'il fait son pouvoir lui. J'aurais peut-être dû le sauver. Ah ça c'est cool, voilà. Merde, ça c'est un peu le bro que t'as envie d'avoir. Il fait tellement mal. Ah merde, j'avais pas vu qu'il en a sauvé. Oh non. Mais du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la SGDQ, là, il y avait eu du speedrun dessus, et c'est vraiment marrant, comme c'est les mecs, ils arrivent à être super forts sur un jeu qui est quand même pas mal random, donc c'est vachement intéressant, quoi, mais. Et il est parti où le machin que je poursuis là?
Merde. Ok, c'est bon. J'ai joué à 2 et j'ai un plutôt bon ping, mais le online est assez mal foutu. Dans le match d'aujourd'hui, ils ont réglé la plupart des problèmes sauf au boss final, d'accord. Après, en multilocal, il est vraiment énorme, quoi. Franchement. J'ai joué à 2 en local, on s'était rempissé dessus. J'ai joué à 3 en ligne, là c'était n'importe quoi. J'arrive toujours sur le stream, je t'entends dire merde. Ah non, j'ai gagné, c'est bon? Enfin, j'ai gagné. Mais il est vraiment excellent ce jeu, franchement, il est, c'est du gros gros délire, quoi. Match 2. Ah bah, par contre, ce niveau-là, j'ai jamais vu. Avec les cils. Ouais, je crois qu'on arrivait vraiment à l'endroit, le boss que je viens de terminer là, je crois que j'ai déjà tué. Mais je crois que je suis jamais allé plus loin que ça. Merde, je suis tombé. Oh mais quel débile. Ouais, ce décor-là, j'ai jamais vu en fait là. Ah cool, Braveheart. Merde, pas cool des requêtes. Ah, hey, salut Satan, ça va bien, bien. Hop là. One Way Heroic, tu as testé Psyo? Non, non, j'ai pas essayé. Ah, c'est Christophe, ouais, du coup, je trouve que je suis un peu débordant. Bon, ce que je disais dans ce jeu, c'est pas non plus la peine de tuer tout le monde. Hein. Le but c'est juste d'aller savater le petit diable à la fin, donc. Mick. Mais c'est pas possible! Je suis vraiment mort comme une merde en sautant par terre, c'est ça? Oh! Oh ce piège! Ah mais One Way Heroic, d'accord, laisse tomber. J'étais parti sur One Finger Death Punch en Heroic. Enfin, ou en difficulté, je sais pas ce que c'était. Yo les gars, désolé, je revisse mon clavier. Ok. J'ai testé One Way Heroic. Enfin, je vais aller voir One Way Heroic, je sais pas ce que c'est en fait. C'est vraiment pas le genre de jeu qui m'intéresse. Voilà. Ouh là non. Ouh là non. Non, donc je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas je peux déjà te dire que je testerai jamais. Ouais, je vois ça, ils ont changé les arrière-plans, il y en a qui sont vraiment beaux, hein, franchement. Mais le jeu il a énormément évolué, hein, n'empêche depuis l'Early Access. Hein. Enfin, depuis son arrivée il y a un peu plus d'un an en Early Access. Un an et demi on va dire. J'y ai assez peu joué, voilà, pour pas me spoil et surtout pour. Oh, mais quel con. Oh, mais. C'est pas possible, je me suis repris le même piège, j'avais déjà oublié. Pas du tout ce qu'il fait là, son pouvoir. Merde, James Bond, hein, le coup de je bois du champagne. Là. Oh putain, ah je me suis fait écraser, merde. Ah, petit Day in Retry avec gameplay proche des. Ouais, je sais, mais les RPG vus comme ça, j'aime pas en fait. Enfin, je suis pas. J'ai rendu mal. C'est vraiment pas ma cam. Hein. Mais.
Arrête d'être con, je vais me le prendre à chaque fois ce piège où il y a un moment où mon cerveau va réussir à à le dire non, il faut pas que j'aille là, il y a un piège. Ok, bien joué. C'est comme Rossetir qui est plus que bon, ouais. Mais il est plus en early access. Non, il est sorti aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu énormément de mises à jour, je pense. C'est que là, le jeu, ça y est, il est sorti officiellement aujourd'hui là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le stream, parce qu'il est sorti, donc je me suis dit, bah tiens, vu qu'il est sorti, j'en profitais pour faire une petite soirée découverte. Comme ça, moi j'aurai en replay, et puis voilà. Oh là 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 là. Oh là, oh là là, oh là. Putain, c'était chaud. Il est tellement monstrueux, son arme elle est de surpuissance quand même. Ouais, il sortait aujourd'hui, ouais, tout à fait. En fait, ce que je préfère dans... Oh, Jean Reno! Ah, c'est trop bien, elle arrive en... Oh putain, mais quel con. Ah, oh, je vais me faire avoir à chaque fois, hein, par ce truc-là. Hein. Par ce piège pourri, là. Hein. Putain, c'est trop cool, quoi, Léon. Merde. Des Broly ou des Jackie Bro, je sais pas. Je sais pas parce que là honnêtement il y en a plein depuis que je joue à ce soir, j'arrête pas d'en voir des nouveaux. Après comme je disais, hein, j'ai joué que 3 heures je crois, donc c'est vrai que là j'ai pas. On peut pas dire que je connaissais vraiment beaucoup beaucoup le jeu, mais là j'ai vu qui là de nouveau? Enfin que moi je connaissais pas, donc j'ai vu James Bond, j'ai vu Braveheart. J'ai vu merde. Ah putain, la lame qui part. J'ai vu Predator. Donc bah là il y avait Jean Reno, il y avait qui d'autre, je sais plus. Mais vraiment pas mal, ouais. Nul. Trop fort Jean Reno, ouais. Allez, casse-toi. Comment je vais l'avoir ce truc-là? Ah, c'est bon. Ah, mais non, c'est super bon, putain. Ah, tiens, le Braveheart. Freedom! Et voilà, très bien ça. Oh, je suis en normal. Alors, comme je t'ai dit, hein, vraiment, enfin, toi, vu que j'ai jamais trop joué à ce jeu, enfin. J'ai pas attaqué en hard. Hein. D'ailleurs, tu sais combien de niveaux dans la campagne ou pas du tout? Bon, j'en ai absolument aucune idée, hein, évidemment. Mais je sais pas si c'est marqué sur la fiche du jeu, j'en sais rien. Allez, un nouveau boss. Oh putain, c'est quoi? Ouais, donc je confirme, celui-là je l'ai jamais affronté. Ouais, il y a Judge Dredd, ouais. Bah là c'est Rock Tear. Rock Tear. Une sorte d'Iron Man du pauvre. Oh merde, il est parti à droite, putain, je me suis tellement fait niquer.
Mais putain, mais deux fois, mais je... Mais c'est pas possible. 15 secteurs et le 15e est ultra long. D'accord. Quand tu parles des secteurs, c'est les niveaux. Genre là, j'en suis au 8e, 9e, je sais plus, 10e peut-être. Oula. Ils sont tellement chiants là, les pièges. Oh là là, oh là là. Oh, c'est la mort. Non. Bon, je suis pas mort, mais. Merde! Hop là, un waypoint, voilà. Hop le waypoint. Ouais, c'était un petit peu faible le waypoint là, mais bon. Et je fais comment là pour monter? Je suis comme un con là. Ah merde! Ok, ça marche. Des bisous, élite. Ah, mais y a pas du tout. En fait, il y a des checkpoints, mais pas vraiment. Ah, yeah. Ah non! Merci pour le follow, Zanduck. Bah, tu verras sur ma chaîne, je fais énormément de jeux indépendants. C'est rare que je bloque très longtemps sur un jeu. Tu regardes sur le stream, y'a. Oh non, y'a déjà pas mal de jeux en replay. Rick Deckard, je sais pas du tout. D'ailleurs, en parlant des jeux à venir, donc demain soir, je vais streamer du Ink, qui est un platformer en fait. Bah, j'ai beaucoup aimé le principe. Oh, mais non, mais putain, mais deux fois que je fais la même chose. Enfin, 10 000 fois que je fais la même chose. Demain soir, donc Ink, c'est un platformer en fait. Où le principe, c'est qu'au début, l'écran est tout noir. Et à chaque fois qu'on va toucher un mur, ça va le peindre en fait. Pour jusqu'à révéler le niveau. Et samedi soir, donc je vais me faire les démos que je testais depuis un moment. Donc à savoir la démo de Megasphere qui m'avait l'air vachement molle. Et le proto de Indivisible, un jeu qui est actuellement sur en campagne Indiegogo, qui a l'air vraiment cool, mais. Ah non. Ouais, il a l'air dur celui-là quoi. C'est rare qu'il bloque sur un jeu, il y a juste Marvel Heroes Rocket League, One Piece. Bah après, ça dépend, Marvel, oui. Oui, bah après, c'est du hack and slash, donc fatalement. Là, mais en stream, enfin. Parce que finalement, tu vois, enfin, Marvel Heroes, j'en streamais quand même pas mal. Après, bah. Pardon. Merde. Ah, j'ai vraiment match tout seul. Rocket League, j'aimerais bien en streamer, mais malheureusement, avec ma connexion, ce n'est pas possible. Ah, c'est pas possible, je jette aussi nul que ça là. Il a l'air dur ce boss en tout cas. Enfin, il a l'air dur et en plus je fais n'importe quoi. Ouais, voilà, si y a des jeux indés où tu te demandes si oui ou non le jeu est cool, il y a de fortes chances que je l'ai déjà streamé. Enfin, il y a de fortes chances non, parce qu'il y a tellement de jeux que. Il y a aussi beaucoup de chances que j'y ai jamais touché, mais. Ah! Après, j'écris aussi pour Gamesa History, qui est un site de jeux indépendants en fait. Donc, après, des fois, si moi j'ai pas touché, il peut très bien y avoir quelqu'un du. Merde. Et je fais quoi là? Oh non, mais putain, c'est. Oh non! Ah, je suis dégoûté, j'étais tellement bien. Ouais, Driftinglands. Mais Driftinglands, j'attends que vous fassiez l'update avec le niveau hebdomadaire. Ah, Léon, il est de retour. Quand vous aurez mis l'update pour le niveau hebdomadaire, je serai très content de mettre un soir par semaine dédié à Driftinglands, comme je l'avais dit. Mais je trouve que ça se touche pas mal chez Alchemy. Ah, la vache. Merde. J'ai passé une demi-heure aujourd'hui. Waouh! J'espère que tu travailles vite alors. Mais putain, mais passe plus vite! Pourquoi à chaque fois je me fais avoir comme un con? Mais c'est vraiment nul ce que je suis en train de faire. Je suis désolé. Je suis désolé, je suis pas concentré. Mais non, mais non.
Encore 80 journées comme ça, j'aurais fait ma perle. T'as peur pour la semaine? Oh non, putain, je pensais tellement pouvoir sauter dessus, dégoûté. Et puis là, je la prends plein de tête, bien joué. Aïe, 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 mais c'est pas possible. T'as galéré, Zunduk, pour ce niveau, ou y a vraiment que moi qui galère Bien joué, bien joué. Encore une merde, putain, j'ai oublié. Bon, encore une fois, le jeu il est beaucoup plus rigolo en multi. Hein. Enfin, solo il est cool aussi. Hein. Bon, là je galère vraiment. On va pas se mentir, je galère vraiment, vraiment galère. Mais putain, mais si aussi je réfléchissais, que je faisais attention à ce que je faisais, quoi. Ouais, celui-là c'est bien bon, mais du coup là je suis complètement à la bourre. Hein. Puis après j'arrive à droite, mais sauf qu'à droite il y a des milliards de personnes. Hein. Et je suis bloqué. Oh là là. Oh là là. Ouais, oui. Ouais, mais bien sûr. T'es qu'à remettre là. C'est pas comme s'il y avait un checkpoint tout en bas à droite, mais que tu me l'as pas activé. Des vilains jeux. Hein. Mais non, mais putain, je prends tous les pièges du monde. Il est bourré d'entrée à l'intérieur en speedrunnant en tuant la TV. Ouais, mais. Ah non, je me suis dit avec elle, j'allais peut-être réussir à passer. Ah non, mais Asso Android Cactus, honnêtement, le jeu il est dément. En termes de level design, il est monstrueux. Hein. Franchement, en termes de level design, il est juste fou. Hein. Les niveaux ils changent en permanence et évoluent de partout. Oh non, mais putain, mais tout ça m'a tué ça. Ouais, c'est vraiment. Ouais, j'ai vraiment adoré le jeu. Bon bah j'y arrive pas, hein. Faut se rendre à l'évidence. Hein. Alors avec lui j'ai le droit à un ralentissement de... Ouais mais putain, mais je préfère aller prendre une vie parce que...
Merde, ah j'ai tellement cru que j'avais pu m'accrocher. Bon, on va y aller cool, ou pas, ouais voilà, ou pas, parce que finalement, quand on y va cool, on se fait ouvrir en deux. Ah non, et je prends Indiana Jones, ah putain. Ok. Allez, on va y aller. Bah ouais, à savoir Drake Cactus, je sais pas pourquoi, pourtant il a été, il a une promotion pas si mauvaise, j'ai l'impression, mais... Non! Quand tu joues, c'est beaucoup trop le bordel. Ce jeu ou à Sandroid Cactus? Mais non, mais putain, c'est pas possible, je retombe sur le truc, quoi. Putain, je retombe sur le kamikaze qui explose, c'est tellement pas de moule, hein. Ouais, je crois que je vais abandonner là pour ce soir, parce que j'ai pas envie trop de me prendre la tête non plus. Je vais peut-être aller voir les autres modes de jeu. Du coup, ça c'est le mode campagne, mais il y a d'autres modes de jeu, j'ai vu. Bonjour, je ne vois plus rien ce qui se passe. Ah non! Oh putain, au moment où je l'ai sauté dessus. Ah puis là maintenant je suis comme en compte, je peux plus sauter dessus évidemment. Et je vais repartir dans le loop infini de... Voilà. Le truc super chiant. Ah non, putain, j'ai... Non! Il m'a mis le seul bro qui pouvait pas taper vers le bas. En solo ça va, mais genre à 4 papenstruct. Ouais, ok, ça marche. Chosen Duke, bah n'hésite pas à repasser à l'occasion, je stream souvent les soirs, donc je mets toujours le planning sous le stream, donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Pardon. Oh, finalement il est pas si dur que ça en fait, hein. C'est juste moi qui galère pour... Pas vraiment de raison, enfin sans aucune raison, enfin sans aucune raison non, mais... Après en fait le vrai problème de ce jeu... Voilà. C'est ça le problème du jeu, c'est que suivant le bro que vous avez, le truc il peut être ultra dur ou super simple. Genre là, j'ai pinaillé pendant des milliards d'années, et ils m'ont mis le pro avec des grenades, j'ai réussi à passer au-dessus et c'était fini quoi. Ok, donc tu m'as dit qu'il y avait 15 secteurs, là j'arrive au 10ème. Donc j'en suis aux 2 tiers du jeu. D'accord, je pense que j'ai passé peut-être 20 minutes sur le niveau alors que là j'en ai terminé en 10 secondes. Hein. C'est tellement triste. Et c'est reparti pour débloquer des bros parce que c'est quand même pour ça qu'on est venu. Oulala, là là, oulala. Là là. C'est exactement par là que je voulais passer. Merde!
Zut, ça a explosé. Bien, je crois qu'il faut monter là. Mais... Oh là là. Merde, j'ai pas vu combien il m'en manquait pour débloquer le suivant. Tellement débile son tir. Après c'est con, j'ai rempli toutes les références, hein. Y a plein de... Il y a pas mal de pots que je sais pas du tout d'où ils viennent. Ah mais non, putain, alors par contre... Ah non, je l'ai pas vu. Zut. T'as les pièges avec les... Les pièges avec les scies circulaires qui sortent, ça rend le pire quoi. Merde, j'ai toujours pas regardé. Bien joué. Bien joué, un joli start. Oh non, je pensais que ça passait. Dommage. C'est cool, ils ont remis pas mal de décors différents maintenant. Ouais, un bot, vite! Des bisous, Yang, à bientôt! Tac, ban user, wouhou! Parce que je ne connais pas. Et qui a pas l'air vraiment cool comme fin de vie en fait. Oh la vache, mais il est super gros. Ouais. Merde. Ok, très bien, il m'a écrasé. Très bien, je viens de me prendre une scie circulaire dans la mouille. Non! Putain. Oh merde. Bien joué.
Ah! Ah putain, c'est con, j'avais un ralentissement du temps. J'ai tout cramé mon ralentissement du temps pour rien là. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh non! Mais putain, j'ai pris tous les trucs dans la tête quoi. T'as fait presque que je les pète hein, les mécanismes de... Oh! Ok, très bien. Mais putain, j'étais loin! Ouais, j'ai mis un prédateur, il est cool. Bien joué, bien joué, bien joué. Super. En essayant de jouer mal, je joue encore. Enfin, en essayant de jouer bien, apparemment, je joue encore plus mal que d'habitude. C'est con, je les garderais bien lui, mais bon, malheureusement. Faut quand même que j'aille chercher des vies. Avec lui et comment je vais faire pour aller savater le boss quoi. Ah bah tiens, on entend. Non. Merde. J'ai pas sauté la deuxième fois, quel con. Bah, la première fois c'était bon. Oh putain, je sais même pas ce qui m'a tué. Yes. Je sais bien qu'il est scardé tout seul quoi. Il était bien parti là. Ah mais en fait j'ai déjà peut-être débloqué tous les bros vu qu'il a dû me garder ce que j'avais fait en early access. Bon qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je me garde ça pour un autre jour? Bah j'essaie de me faire encore le 11ème secteur, ouais. Je vais me faire encore celui-là, je pense que j'arrêterai après. Ça ferait quoi, ça fait déjà 1h30 là. J'essaierai peut-être en autre mode vite fait pour voir ce qu'il y a d'autre. Sachant que là je suis en normal, hein. Il y a aussi un hard mode. Hein. Après ils sont trop cool, ils sont cachés dans les fourrés quoi. C'est tellement cool. Qu'est-ce qui se passe là? Alors il y a Satan qui est là, ouais. Il se fout de ma gueule, et pourquoi il se fout de ma gueule? Allez, venez les bros. Ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait un gros piège, mais non. Ouais, c'est ça en fait, j'ai déjà débloqué tous les bros, parce que finalement, la plupart des bros, je les ai déjà débloqués en early access, donc...
fou, ils sont déjà tous tout morts là. C'est louche. Et du coup, James Bond, j'ai pas eu tout ce qu'il fait. Ah bon. J'ai pas eu tout ce qu'il fait, James Bond, avec ses pouvoirs spéciaux. Le premier pouvoir, c'est. C'est de boire du champagne, mais bon, j'imagine qu'il doit en laisser en jeu quand même. On va passer par là, ça paraît un peu plus safe. Hein. Oula. Merde! Oh, quelle naze! Mais quelle naze! Mon dieu. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Même c'est les aliens. Ok. Ça sert pas mal ça pour lutter contre les aliens. Yotas, comment ça? Ah, mais ça, il y a des aliens qui reviennent du sol en fait, quoi. Putain, cette boucherie, quoi. Putain, ce jeu, c'est vraiment n'importe quoi. Ah merde, oh, j'ai tellement pris une balle perdue. Ouais, oh, moi nickel, c'est cool. Merde. Ah, je vais me faire bouffer. Ouais, ce que je disais en fait, j'attendais. Pardon. J'attendais que le jeu sorte d'Early Access pour y jouer, et donc c'est maintenant chose faite. Merde, elle va me faire écraser par une pierre, mais quelle tâche. Donc voilà, donc je suis bien content. Qu'est-ce que c'est Ah merde! Ah, c'est con si j'ai un bon perso là pour avancer vite. Hop! Bah, quoi que c'est, bon, je suis à la fin en fait. Hop là! C'est blague à l'écran, ouais, clairement. Un gros
fort, c'est la boucherie, hein. C'est de l'arcade pure et dure, il y a tout qui explose de partout. En fait, t'as qu'un seul but, c'est aller péter la gueule au diable à la fin du niveau et prendre l'hélicoptère pour t'enfuir à la zone suivante. Donc après, tu gères un peu comme tu veux. Hein, Ouah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le boss? Merde! Ah, je me suis fait un petit peu cracher dessus quand même. Ah, par contre, là, je viens de le démonter avec une. Je viens de le démonter avec une. Avec un bidon explosif. Mais je pensais que c'était un boss, en fait, non. Bah, si, c'était quand même un boss. Ok. D'accord, donc là en fait c'est en train de se faire. D'accord. C'est en train d'être. Alors non, il y a 15 zones, donc là j'arrive à la 12ème. J'avais dit que la 11ème c'était la dernière. Allez, je fais encore celle-là et après je pense que j'arrêterai. Mais vraiment, Profer c'est un très bon jeu, hein. Surtout en multi, c'est super marrant, quoi. Parce que finalement tu meurs autant à cause du jeu qu'à cause de tes potes qui explosent tout à l'écran et qui te font tomber dans le vide, voilà. Ou qui doit exploser sur un baril. Le prédateur il est vraiment bien, quoi. Ah cool, c'est une nouvelle zone à 6, hein. Ah donc ouais, ils ont vraiment pété un délire à l'alien avec des. Pardon, désolé pour les oreilles. Merde, je vais mourir. Ah putain. Ah, ça rigole pas trop les. Ah, oh, bah, qu'est-ce que j'ai brûlé? À la fin, j'ai pas vu, quel con. Putain, je suis mort juste avant la fin, c'est moche. Mission failed. Oh non, pas Indiana Jones, c'est tellement pire. Alors, avec Indiana Jones, je sais pas trop ce que je vais faire en fait, hein, parce que là, je suis même pas sûr que je puisse péter les deux avec lui. Même si je peux quand même décrocher. Mais pourquoi moi? Putain, il y avait plein de. Sans déconner, il y avait des milliards d'ennemis à côté là et. Ils me sautent dessus, quoi. Saleté. Léon. Et ciao les blaireaux. Ah bah non! Ah bah non, monsieur! Non! Je dis non! Mais forcément, mission fail, on me saute dessus alors que je suis à peine arrivé. C'est de la triche! Ah voilà, un bon lance-flamme, voilà, c'est ce qu'on veut pour ça. Ah, c'est con que. Ouais, je sais bien que ça sentait les pièges, les. Oh là, oh là, oh putain, ok.
Ouais, donc je disais, donc demain soir je vais streamer donc du Ink après-demain, donc je vais streamer la démo plus enfin la démo de Megaserre plus le proto de Indivisible. Et normalement dimanche soir je vais sûrement streamer du Concrete Jungle Pardon. Ah non merde. Un jeu conseillé par Christophe. Et bien souvent les jeux conseillés par Christophe ils sont cool. Hein. Et celui-là en l'occurrence il a l'air très bien. Lundi je ferai du Marvel Heroes. Et puis après la semaine prochaine je streamerai pas parce que mardi mercredi j'ai mes nièces à la maison. Le jeudi je pense pas que je streamerai parce que le vendredi je remonte chez mes parents donc je pense que j'en profiterai pour dormir un peu avant. Et par contre, du coup, bah pas la semaine prochaine, mais la suivante, je pourrais streamer pas mal parce que j'aurai pas mes gamins à la maison, donc je serai plutôt peinard. Je pourrais peut-être même streamer en rentrant du boulot. On fait comment pour save? Ah d'accord, en fait ils sont pris dans les cocons. Merde. Revoilà Jean-Michel, pas content. Oh, je vais mourir. Non, c'est bon. Ah bah si, là je suis mort. Ah ça c'est bien ça. Merde, putain, je m'étais dit avec un Men in Black ça va être nickel pour tuer un... Ah mais ou alors... Oh non! J'ai vraiment fait de la merde comme ça. Ah vas-y Taz, c'est bon, il y a un bot, tu peux le défoncer. J'ai vraiment mal joué là. Bien joué, Taz. Tronçonneuse. Bah finalement, le boss pour sur lequel j'ai le plus galéré pour l'instant, c'est le boss de la zone 9 en fait. Sur lequel j'ai vraiment pinaillé pendant je ne sais combien de temps pour finir par le tuer en 10 secondes avec, avec le perso qui revient. Oh, je vais mourir. Oh mais quel étage, c'est pas possible. Sérieusement. Ou que c'était nul. Je pense pas que j'ai le choix de passer ailleurs. À mon avis, c'est un niveau qui veut ça. Hein. Enfin, si, je pourrais passer par en haut en fait. Ouais, c'est un jeu de réflexion, Broforce. C'est un puzzle game. Là. Il y a un petit côté Super Mario finalement à passer par au-dessus du niveau comme ça.
Bon, par contre, le vrai problème, c'est qu'à mon avis, à un moment. Si c'est cool, ok. Oh là là. Oh là là. Oh là. Strat. Magnifique. Comme quoi on dit Brofurs, c'est un jeu de. C'est un jeu de bourrin. Pas que. Il y a de l'infiltration aussi, ma bonne dame. Alors, je sais pas ce que c'est le truc rouge, mais j'ai pas trop envie d'y foutre les pattes. D'accord, c'est un truc qui fait rebondir, très bien. Mais non, Mais mais. qui. Ouais, multi-local et multi en ligne, ouais. Et c'est vraiment excellent. J'ai déjà joué en multi-local et en multi en ligne, et c'est vraiment vraiment rigolo. Parce qu'en gros, vous voyez un peu le bordel, ça fait à l'écran une seule personne. Vous imaginez jusqu'à 4, il y a tout qui explose en permanence, c'est n'importe quoi. Tu meurs plus souvent à cause de tes pattes qu'à cause des ennemis, quoi. C'est vraiment du bon gros délire. Putain, fait chier, j'aurais bien aimé garder Predator, il est cool. Je suis safe là ou pas? Ah, je suis complètement safe, j'ai l'impression. Bien joué. Oh, cette strat. Merde. Ah, si, non, c'est bon, je pouvais vraiment rentrer là-dedans. Très bien. J'ai cru que j'étais mort, mais non, ça va. Tout va bien. Mais me crache pas dessus, c'est dégueulasse. Oh, quel con. Oh putain. Merde. Ah bah oui, Indiana Jones. Bah c'est sûr qu'avec Indiana Jones, je vais gagner. Ok, très bien. Il a l'air coton. Ce boss. Ah, ça sent le boss relou. Il est tellement relou d'ailleurs qu'il m'a même mis en checkpoint ici en fait. Alors avec Alt, c'est. Non. Mais non, mais putain, mais quel mongol quoi. Bien joué ça. Ah oh, merde, il y avait un checkpoint juste là. Tiens. Voilà, sale bête. C'est bon, il est mort là. Ah, il est mort, mais en fait, il y a encore un truc qui est. Yeah! Yep, Dyson! Des bisous, bonne nuit! Ah, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a 15 secteurs, là c'est le 13ème, du coup j'ai pas envie de terminer tout de suite en fait quoi. Par contre, ce que je vais faire.
attendre, tu m'as dit. Sinon, je pourrais t'amener. Je continue ma campagne plus tard, il me dit quoi. Si tu veux, je peux faire continue campaign, donc c'est très bien. Il y a le mode arcade aussi. D'accord, donc le mode arcade, a priori, c'est la campagne, mais sans les Iron Bros, c'est quoi ça? Oh la vache, comme c'est chaud! La campagne, mais avec un seul. un seul bro à chaque fois, quoi. Wow. Il y a le mode versus, qui doit être n'importe quoi également. Level editor, ouais, c'est cool ça. Juste faire un petit coup d'arcade, juste pour plaisir. Donc il y a normal et hard, hein, mais bon, évidemment, jouer en normal, hein, c'est déjà bien suffisant. Et offline, très bien. 3, 2, 1, go! Les fois digitales, ils sont incroyables ici. Go, go, go! Salut. Non. Ouais, du coup, je vais juste refaire quelques niveaux et puis. Et je vais m'arrêter là. Hop. Hop. Merde. Zut. Pardon. À un moment, c'est casse-couille de changer de bro toutes les 5 secondes. Bah ouais, c'est je pense pas qu'il y en ait des trucs comme ça. Bah, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est. Après, ça fait partie du jeu d'être obligé de t'adapter, mais c'est vrai que des fois t'es. Merde. C'est bon, ouf. Wow. Après, par contre, tu vois, le mode Iron Bro, tu peux. Ils peuvent mourir une seule fois chacun, donc comme d'habitude, tu te retrouves vite fait avec beaucoup de bros en moins. Après, peut-être qu'en mode hard, il y a beaucoup moins de checkpoints, quoi. Puis bon, après, rien ne t'empêche de. Enfin, rien ne t'oblige à les prendre. Bon, le problème, c'est sûr, si tu les prends pas, c'est que t'as des vies en moins. Mais... Merde. Bah d'ailleurs, quand le speedrun que j'ai vu avec la FZDQ, évidemment, le mec il changeait quasiment jamais quand. Merde, c'est bon. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est la mort.
Après, j'ai vu que tu pouvais faire des custom campaigns, donc il y a peut-être moyen de te faire une custom en mettant celle bro, je sais pas du tout. Ouais, je me fais ce boss, après je pense que j'arrêterai, ça fera 2 heures. Tiens! Tiens! Merde! Et oui, c'est vrai que... Le shoot que j'ai pris plein de tête là. C'est-à-dire, je vais en custom campaign vite fait juste pour voir ce qu'il y a offline. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est les mecs qui ont fait les campagnes en fait, c'est ça? D'accord, il y a les mecs qui ont fait des maps exprès et tout. Ah, ça peut être sympa ça. Faut l'aller voir après, je pense au bout d'un. Faut l'attendre un petit peu histoire que les mecs qui fassent des. Qui aient déjà fait des maps et. Ça peut être cool. Bon, voilà, bah du coup, moi j'arrête là maintenant. Eh bah merci d'être passé. Donc demain soir, Inc. Donc samedi soir, comme je vous ai dit, un démo de Megasphere plus proto de Indivisible et dimanche soir normalement j'ai bouffé le nom Concrete Jungle. Voilà. Allez, bah, passez une bonne nuit et puis et puis à demain. Ciao.